Vérifiez bien votre horloge puisqu'il est 13h à Bamako et sur le RTM à 13h, c'est l'heure du journal. Le journal, Moussa Papa Aïdara. Mois de la solidarité et la tradition respectée encore une fois, les personnes les plus âgées des différentes communes de Bamako ouvrent leurs portes aux autorités du pays afin de faire des bénédictions pour le Mali et surtout recevoir des présents comme geste de respect et de considération. Koulikoro a reçu sa dotation d'aliments poissons dans le cadre du plan national de réponse 2024 du commissariat à la sécurité alimentaire. 300 tonnes d'aliments poissons doivent être réparties et distribuées gratuitement entre toutes les régions du Mali et le district de Bamako. La population de Gao expose son savoir-faire à l'occasion de la 5e édition du mois du consommé local. Notre correspondant sur place nous indique que dans les stands, on peut trouver les nénuphars, le fonio, les poissons séchés, le bourgou, qui est d'ailleurs une boisson bien consommée par les personnes âgées. Et du sport football, le Mali a gagné hier contre la Guinée-Bissau par un score d'un but à zéro au compte de la 3e journée dans le groupe I. L'actualité reste aussi dominée par les éliminatoires du Mondial 2026 en Amérique du Sud et de la CAN 2025 sur le continent. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Intéressons-nous tout d'abord à la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Dans cette mouvance, le Premier ministre a rendu visite à la personne la plus âgée de la commune 4 du district de Bamako. Il s'agit de Namori Keïta, qui est âgée de 112 ans. Et il a 11 enfants et 20 petits-fils. Il est le chef de quartier de Jikroni Para Turabougou. Le Premier ministre lui a offert des cadeaux et en retour, il a fait des bénédictions pour le Mali. On en sait plus avec Mamari Koné et Aliou Touré. La visite aux personnes âgées est l'une des activités phares du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. C'est pour perpétuer une tradition que le Premier ministre a rendu visite à Namori Keïta, doyen de la commune 4 du district de Bamako, domicilié à Jikroni Para. Le Premier ministre, accompagné par le parrain national de la 29e édition du mois de la solidarité, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, ainsi que ses proches collaborateurs, a offert au doyen des noix de kola, une couverture, un tapis de prière, un chapelet, un bonnet et une enveloppe. Très ému, le doyen a exprimé sa reconnaissance au gouvernement avant de formuler des vœux pour la réussite de la transition. Il a par ailleurs exhorté le Premier ministre à poursuivre les efforts en vue de la paix et de la stabilité. Docteur Chogel Kokalamaiga, Premier ministre. Je suis venu rendre visite au doyen au nom du président de la transition du gouvernement et l'ensemble des Maliens pour magnifier encore nos anciens. Vous savez, tout ce que nous faisons dans le pays, c'est le résultat de leur travail. C'est eux qui nous ont mis au monde, nous ont fait grandir, ils nous ont donné une certaine vision du monde. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui doit avoir leur bénédiction. Je suis venu donc voir le doyen Keïta avec son épouse. Et très bonne santé. Que l'année prochaine nous nous retrouvions ici. C'est un message que je lance à tout le monde. Il faut respecter nos anciens. C'est les meilleures bénédictions que Dieu nous a données. Avoir un ancien comme ça à côté, chez nous en Afrique, c'est un bonheur que d'avoir son vieux père ou sa vieille maman à côté et les soutenir à cet âge-là. Je voudrais donc saluer le doyen et dire aux Maliens que nous sommes à leur service, y compris au service de ceux qui, par l'âge, ne peuvent rien faire aujourd'hui, parce qu'ils nous font des bénédictions. Né il y a 112 ans, le doyen originaire de Komanfra, un village de la commune rurale de Sibi, vit avec son épouse. Il a 11 enfants et 20 petits-fils. Malgré sa santé fragile, il est passionné de causerie et d'émissions radiophoniques sur l'actualité. La visite a pris fin par une fatia. Même action de solidarité venant des responsables de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême,
qui ont rendu visite aux doyens de la commune 5 et 6 du district de Bamako. Ces visites s'inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion. Les différents émissaires ont offert aux personnes âgées des cadeaux, comprenant des couvertures, des nattes de prière, des calebasses de cola et des enveloppes symboliques. Ba Traoré et Youssouf Diakité nous font le compte-rendu. Le premier vice-président de la Cour constitutionnelle, tôt ce matin, au domicile de la vieille Sokona Diara à Daoudabougou. Cette dernière est la doyenne de la commune 5 du district de Bamako. Elle qui est née en 1908 a aujourd'hui 116 ans. Malgré cet âge, Sokona Diara est très lucide. En lui rendant cette visite, le premier vice-président de la Cour constitutionnelle lui a apporté, au nom des autorités du Mali, un lot de cadeaux comprenant essentiellement une couverture, une natte de prière, une calebasse de cola et une enveloppe symbolique. Beyla Ba, premier vice-président de la Cour constitutionnelle du Mali. L'an passé, nous avons eu l'honneur et le privilège de venir rendre visite à la plus âgée de la commune 5. Cette année aussi, grâce à Dieu, c'est elle qui nous reçoit aujourd'hui et nous réitérons nos voeux à la citoyenne qui est devant vous aujourd'hui. Que Dieu permette l'année prochaine de venir la saluer et les années suivantes également. Bakary Traoré, 117 ans, est le doyen de la commune 6 du district de Bamako. Il est également le chef du quartier de Niamakoro. Ce n'est donc pas une surprise qu'il reçoive la visite du vice-président de la Cour suprême venu avec le même lot de cadeaux que la vieille Sokona de la commune 5. Moussa Diara, vice-président de la Cour suprême du Mali. Cette année, la 21e édition a été placée par les autres autorités sous les signes de la solidarité envers les victimes des catastrophes. Nous invitons tous les Maliens à s'approprier ce mois afin que la solidarité ne soit pas un vain mot. Ces deux visites s'inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Aussi, la vieille Sokona Diara et le doyen Bakary Traoré ont remercié les autorités du Mali pour cette assistance aux personnes âgées avant de formuler des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. Et justement, vous parlez de paix. Une forte délégation venue de Taoudéni, reçue hier après-midi au ministère en charge de la réconciliation nationale, elle est venue annoncer l'organisation d'une rencontre sur la paix à Taoudéni. L'événement vise à soutenir les actions de la transition à travers la promotion de la paix et du renforcement de la cohésion sociale. Les explications de Kadia Toukone. Une paix durable repose sur le renforcement de la cohésion sociale et la réconciliation nationale, un défi majeur pour notre pays qui traverse une crise depuis plus d'une décennie. Il est donc important que tous les Maliens de Kaya Menaka, de Sikasso Taoudéni, poursuivent leur soutien au processus de paix et de réconciliation. Une initiative cruciale pour l'avenir de notre pays, suivie de près par le ministère en charge de la réconciliation. Ce jeudi, une délégation venue de Taoudéni s'engage à appuyer toute action allant dans ce sens. Elle a répondu présente à l'initiative du ministre Wagé pour mieux organiser une rencontre sur la paix bientôt à Taoudéni. L'organisation de cette rencontre vise le rétablissement de la paix sociale, la stabilité et la cohésion nationale en vue d'un développement durable au profit de tous. Jamel El Oumrani, coordinateur de Oulad Oumran. Cette rencontre permettra à la communauté de donner son avis et ses attentes pour la construction de la paix. Bilal Oud Attaher, coordinateur des fractions Oulad Idriss. On l'adhère à 100% et Inch'Allah, nous ferons tout ce qui est possible pour la réussite de cette rencontre. Le ministre Ismaël Ouagé encourage et salue cet engagement de ses hôtes, car selon lui, seule une volonté commune marquée du sceau de la fraternité et d'une unité nationale devrait permettre de jeter les bases d'un avenir de paix et de stabilité partout au Mali. Parlons à présent de la jeune fille. Les filles prennent le pouvoir dans les locaux du plan international à Bamako. Pour respecter la tradition, pendant toute la journée du 10 octobre, le directeur pays a cédé sa chaise à Oumou Diara, une étudiante et blogueuse à ses temps perdus. Une journée qui a débuté par une signature de contrat et s'est conclue par un entretien avec la presse pour partager sa vision sur la journée internationale de la jeune fille. Awa Adama Koulibaly et Aruna Diara nous en dit plus. Habillée en robe rouge et un foulard orange bien assorti à son sac à main en cuir, Korotumu Diara est étudiante en gestion des ressources humaines. Âgée de 23 ans, elle a pris les rênes du bureau pays de Plan Mali pour une journée.
Pas de temps à perdre pour la directrice. Une visite rapide des services suffit. L'agenda de la journée est assez bien fourni. Je me suis rendu compte que le directeur pays, c'est le centre en fait. Nous avons eu à mener une réunion avec le staff de plan qui est ici. J'ai eu l'opportunité également de signer un accord de partenariat avec le ministère pour la réalisation de la journée du 11 octobre. Sa détermination à accomplir ses tâches a été félicitée par le directeur sortant du jour, qui lui a d'ailleurs servi de protocole. Jackson Aka Atam, directeur pays de plan international Mali. Elle a bien répondu aux questions. Elle était calme, mais quand elle a commencé, elle était un peu timide. Mais à la fin de la journée, je vois qu'elle a repris le courage. Elle était plus déterminée. L'objectif est atteint 110%. Korotumu a aussi reçu Oumou Yanogé, directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du jour. Korotumu Diarra n'est pas seulement venue apprendre. Elle s'est munie d'un plan de communication pouvant servir plan international pour contribuer à l'épanouissement du plus grand nombre de filles à travers les réseaux sociaux. Une initiative qui a marqué la 5e Girls Takeover de l'organisation. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Et justement, nous déposons nos valises à Koulikoro. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé hier vendredi au gouvernorat de Koulikoro au lancement officiel de l'opération de distribution gratuite de l'aliment poisson. Cette activité s'inscrit dans les cadres du plan national de réponse 2024 de la structure. Ce don qui concerne tout le Mali est composé de 300 tonnes d'aliments poissons et 5 tonnes de riz remis également au gouverneur de région pour les sinistrés. Eh bien, à Koulikoro, la correspondance de Djemba Moussa Konaté. Au total, ce sont 300 tonnes d'aliments poissons qui ont été remises au président de la filière poisson pour les producteurs lors de ce lancement officiel de l'opération distribution gratuite de l'aliment poisson. Cette initiative du commissariat à la sécurité alimentaire vise à améliorer les revenus des pêcheurs et des aquaculteurs en renforçant leur productivité. Pour le président de l'interprofession, ce don représente un symbole d'espoir et de solidarité pour les pisciculteurs. Cheikh Omar Diaouré Maïga, président de l'interprofession poisson. Elles permettront à de nombreux producteurs de surmonter les difficultés actuelles, de relancer leur activité et d'assurer la subsistance de leur famille. Grâce à votre action, nous sommes convaincus que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la filière poisson. Ahmed Chérif Foufana, porte-parole des bénéficiaires. En tant que bénéficiaire, on est très content, surtout au niveau de la région de Koulikoro. C'est la deuxième fois que moi, j'ai senti ces dons-là au niveau de la région de Koulikoro. Cela va aussi faire remonter tout le moral des pisciculteurs et cela va augmenter aussi la production des pisciculteurs. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, ce soutien vise à renforcer la résilience du système de production halieutique face aux défis imposés par les changements climatiques. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Les résultats obtenus en 2022 avec l'augmentation de la production globale de 600 tonnes de poissons témoignent de l'impact positif que de telles initiatives peuvent avoir sur la vie des bénéficiaires. En effet, ces actions contribuent non seulement à la relance des activités économiques locales, mais également à la sécurité alimentaire au sein des ménages concernés. En marge de cette cérémonie, le commissaire à la sécurité alimentaire a offert 5 tonnes de riz au gouverneur des régions, le colonel Lamine Kapori Sanogo, pour les sinistrés de sa région. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Il est 13h14. Vous avez certainement envie d'Alabadia, ce plat traditionnel de la région des Gao. Eh bien, je vous amène faire un tour à présent à la grande foire d'exposition des produits locaux à Gao, où tous les plats traditionnels sont exposés. C'est une première et c'est à l'occasion de la 5e édition du mois du consommé local. L'organisation de cette activité, pilotée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Sessim Gao, de notre bureau régional, Aliou Idrissa Maïga. Nous sommes à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Sessim Gao. Ici, plusieurs stands sont installés dans la cour pour exposer des produits de tout genre. Objectif : valoriser la consommation de nos produits locaux.
Cette première exposition dans la cité des Askia s'inscrit dans le cadre des activités de la 5e édition du mois du consommé local. Sidamar Ben Ali, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Gao. Nous avons nos produits locaux et que nous devons mettre en valeur pour minimiser notre dépendance de l'extérieur. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. La région de Gao, comme le Mali tout entier, regorge de divers produits agricoles, artisanaux et industriels, produits par nos braves agriculteurs, artisans et industriels. Il est donc souhaitable que nos décideurs publics et nos populations privilégient ou priorisent nos propres produits dans les choix d'achat et de consommation. Les participants à cette foire sont venus de plusieurs localités de la région pour montrer aux visiteurs le savoir-faire de nos artisans, mais aussi toute la richesse qui réside dans nos mets traditionnels. Mahamadou Hassan, vice-président des jeunes ruraux de la région de Gao. Nous exposons nos produits locaux en commençant par les nénuphars, fognons ou bien ganchi en soirée, nos poissons séchés. On a aussi ce qu'on appelle les manchis, les bourgous en français, qu'on brûle un peu, on écrase, on met de l'eau, on fabrique ça sous forme de boissons que nos ancêtres consommaient. Donc c'est une consommation locale. À marge de cette foire d'exposition, les organisateurs ont animé un panel sur la consommation et la valorisation de nos produits locaux avant de déguster un plat traditionnel de Gao appelé Alabagia. De Gao, Ali Idrissa Meiga et Youssouf Samaki pour le RTM. Actualité internationale à présent. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé qu'il présentera le lundi son projet de développement pour les 25 années prochaines. Un projet de développement qui consisterait à mettre fin à la dépendance de l'étranger et de la dette afin de s'appuyer sur les ressources locales et le capital humain. Ce référentiel des politiques publiques intitulé Sénégal 2050, agenda national de transformation économique et politique. Au Tchad, plus de 500 personnes mortes, 400 000 hectares de terres agricoles détruites et d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan de la forte pluie qui a frappé le pays ces derniers temps. En réponse à cette crise, 248 sages-femmes ont été déployées pour fournir des soins d'urgence aux victimes par les autorités du pays. En outre, des kits d'hygiène ont été distribués à 12 000 femmes et jeunes filles. Au Nigeria, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, Cindy Mankane, tire la sonnette d'alarme sur la famine au nord-ouest du pays. Pour y faire face, le programme alimentaire mondial déclare avoir besoin de plus de 44 milliards de francs CFA pour pouvoir mener à bien ses opérations jusqu'à la fin de l'année. Au-delà de la crise alimentaire, cette zone est frappée par la crise sécuritaire qui impacte l'ensemble du pays depuis 2009 et qui a causé la mort de plus de 35 000 personnes et 2 millions d'autres déplacés. Nous sommes à présent au Kenya. Le président kenyan William Ruto a annoncé hier que 600 officiers supplémentaires seront déployés le mois prochain pour faire face à l'insécurité en Haïti. Les Nations Unies ont promis plus de 50 milliards de francs CFA pour lutter contre les gangs en Haïti. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté au début de ce mois à l'unanimité la prolongation du mandat de la force multinationale dirigée par le Kenya après avoir balayé l'appel d'Haïti à entamer des pourparlers en vue de transformer cette force en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Justement, nous terminons par les États-Unis qui ont annoncé hier une série de sanctions contre l'industrie pétrochimique iranienne en réponse à l'attaque du 1er octobre contre Israël. Les sanctions visent le département du Trésor, une vingtaine de navires ainsi que des entreprises installées à l'étranger. Ils sont tous accusés d'être impliqués dans les transports de pétrole et matériaux pétrochimiques iraniens. En plus, les sanctions concernent également les entreprises installées en Chine et deux entreprises émiraties et libyennes. Un peu de sport dans ce journal. Commençons par le basketball. Le Stade malien de Bamako s'est relancé dans la course à la qualification pour l'élite 16 de Basketball Africa League. Et en football, l'actualité est dominée par les éliminatoires du Mondial 2026 en Amérique du Sud et de la CAN 2025 sur le continent. Mais l'actualité, c'était hier le Mali qui a disposé de la Guinée-Bissau par 1-0 au compte de la troisième journée dans le groupe I. Enfin, le point de l'actualité sportive avec Famourou Diourté. Les Aigles du Mali se rapprochent de l'objectif ultime. Grâce à l'unique but d'El Bilal Touré en seconde période, le Mali s'offre une courte mais importante victoire contre la Guinée-Bissau.
Le match s'est joué ce vendredi 11 octobre au stade du 26 mars de Bamako dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Aigles avaient à cœur d'enchaîner une seconde victoire successive pour confirmer enfin leur statut de favori du groupe I. Face à des Bissau-Guinéens déterminés et sans réelle pression, le Mali a eu du mal à débloquer la situation. Avec une légère domination, ponctuée de plusieurs initiatives offensives, les Maliens y sont parvenus, mais après l'heure de jeu. À la 62e minute, El Bilal Touré s'est illustré sur un coup de tête après avoir profité d'un centre issu d'un exploit individuel d'Adama Traoré Malouda. Le but de l'attaquant de Stuttgart a permis au Mali de prendre une victoire 1-0 contre la Guinée-Bissau. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. On n'a pas joué notre jeu comme je veux, mais le pelouse n'est pas comme en septembre. Maintenant, ça marche, mais ce n'est pas la meilleure pelouse pour jouer notre football. Je suis content avec la victoire, je suis fier de mon équipe. Avec ce succès, les Aigles du Mali renforcent leur place de leader avec 7 points, devant les Mamba du Mozambique 5 points, la Guinée-Bissau 3 points et le Swatini 1 point ferment la marche. Une victoire malienne mardi au match retour contre la Guinée-Bissau serait synonyme de qualification pour la CAN Maroc 2025. D'autres rencontres étaient également au programme ce vendredi. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a remporté son match contre la Sierra Leone 4-1, tandis que le Sénégal a dominé le Malawi 4-0. L'Angola a battu le Niger 2-0, consolidant sa position de leader dans le groupe F avec 9 points. Les Comores ont créé la surprise en s'imposant 1-0 contre la Tunisie. En revanche, le Congo-Brazzaville a subi une lourde défaite 5-0 face à l'Afrique du Sud. L'Égypte a quasiment validé sa qualification pour la CAN 2025 en battant les Mourabitounes de la Mauritanie. Le Bénin a écrasé le Rwanda 3-0, le Cameroun a gagné contre le Kenya 4-1 et le Nigeria s'est imposé devant la Libye par 1-0. La troisième journée prend fin ce samedi avec deux matchs. L'Éthiopie et la Guinée s'affrontent à 16h GMT au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Le pays hôte de la prochaine CAN, le Maroc, reçoit la République centrafricaine à 19h GMT. En Amérique du Sud, c'est la dernière journée de la phase aller des qualifications pour le Mondial 2026 qui se jouait. L'Argentine a fait match nul 1-1 contre le Venezuela, un résultat que Lionel Messi attribue à l'état de la pelouse. En revanche, le Brésil a réalisé un comeback en battant le Chili 2-1, préservant ainsi ses espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La Bolivie, quant à elle, a décroché une victoire historique en battant la Colombie 1-0, signant ainsi sa troisième victoire consécutive en éliminatoire, une première. L'Équateur et le Paraguay ont terminé sur un match nul à 0-0. Le Pérou a surpris l'Uruguay avec une victoire 1-0. À l'issue de la 9e journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, l'Argentine est en tête avec 19 points, suivi de la Colombie 16 points, Uruguay 15 points et Brésil 13 points. Le Chili occupe la dernière place sur 10 à l'issue de la phase aller avec 5 petits points. Le champion du Mali de basketball, le Stade Malien de Bamako, participe au tour préliminaire de la saison 5 de la Basketball Africa League BAL dans la division Ouest qui se tient en Libye depuis le 8 octobre dernier. Pour son premier match, le Stade Malien a été battu par le club hôte Al-Ahli Tripoli 85-66. Ce vendredi, le représentant malien a rebondi en s'imposant face à Creole Star du Cap-Vert 81-76. Le Stade Malien devait disputer son troisième match ce dimanche contre l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, mais il semble que ce dernier ait finalement décidé de se retirer. Dans cette saison 5 de la Basketball Africa League, le Stade Malien est placé dans le groupe A de la division Ouest aux côtés d'Al-Ahli Tripoli, des Creole Star du Cap-Vert et des Lusfa du Burkina Faso. Les Stadis visent l'un des deux tickets de qualification de leur groupe pour l'élite 16. Merci Famourou. Le match Mali-Guinée-Bissau comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 n'a pas été diffusé hier sur le RTM. Ceci à cause des problèmes techniques au niveau du département New World TV. Un problème signalé à quelques heures de la rencontre à travers un mail. Les détails sur cette situation avec Hassan Baba Diombele, directeur général de l'ERTM. Il s'exprime au micro de Bamba Sibi. Par rapport à cette compétition, notamment les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, nous avons les droits. Nous avons les droits puisque nous les avons acquis avec le partenaire qui s'appelle New World TV. On a eu ces droits, mais hier, à quelques heures de la rencontre, nous avons reçu un courrier de la part du partenaire, notamment un mail. Je vais lire ce mail que nous avons reçu. En raison d'un problème indépendant de notre volonté et malgré nos efforts jusqu'au dernier moment, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les paramètres des matchs d'aujourd'hui et des prochains jours jusqu'au 15 octobre. Nous nous en excusons sincèrement et faisons tout notre possible pour réduire ce délai. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Voilà donc le message que nous avons reçu hier, à quelques heures de la compétition. Et
Après réception de ce message, on a vraiment essayé de joindre les partenaires en vain. On n'a pas pu quand même avoir une explication directe avec le partenaire. Et c'est le lieu vraiment de présenter d'abord nos excuses aux téléspectateurs maliens parce qu'on était sûr qu'on pouvait donner ce match-là vu que les droits ont été gérés avec le partenaire. On est en train de continuer les négociations puisque le match prochain des Aigles est contenu justement dans ce délai qui ne nous permet pas d'avoir les références satellitaires. Donc, on est en train de continuer. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr, il n'est pas exclu qu'on ne puisse pas avoir les paramètres du match prochain des Aigles, notamment le match du 14, le match retour. Donc, on est en train de continuer les négociations et on espère qu'on aura une issue favorable justement d'ici juste ce délai-là. La diffusion des compétitions en général, mais des compétitions africaines en particulier, est une priorité du gouvernement. Quand je dis priorité du gouvernement, parce qu'à chaque fois que nous avons reçu des offres par rapport à certaines compétitions, on approche notre département, le département approche les autorités et on nous permet justement d'avoir les droits des différentes compétitions. À titre de rappel, la CAN Côte d'Ivoire 2023, dans laquelle est inclus justement les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, cette compétition est environ 600 millions de francs CFA. Ensuite, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Et là aussi, c'est à peu près dans le montant sensible. Sans oublier que pour permettre au public sportif malien de voir des compétitions aussi d'un certain niveau, notamment l'Euro, ben, le gouvernement aussi a payé les droits par rapport à l'Euro qui se chiffrait environ à 300 millions. Donc, si nous regardons dans l'ensemble, ça fait quand même un package d'environ 1,5 milliard que le gouvernement débloque pour permettre justement au public sportif malien de suivre ces différentes compétitions. À l'instant, Hassan Baba Diombele, directeur général de l'ERTM, qui donnait des éclaircissements par rapport à la non-diffusion hier sur les antennes de l'ERTM du match Mali-Guinée-Bissau. Ainsi se referme cette édition à 13h passées de 27 minutes. Merci à tous pour votre attention. La présentation, c'était Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Fousseyni Sissoko et Absé Traoré, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly et Badji Touré, réalisation Adam Maïga, coordination Bamba Sibi. Nos programmes continuent, mesdames, messieurs. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Splendide week-end à tous sur le RTM.